Bon, je devais pas filmer cette recette, hein. Ma femme m'a dit prépare-nous quelque chose à manger rapide. On a regardé un petit peu ce qui nous reste. Là, on est le combien? On est le 21, il me semble. Le 21 décembre. Le 21 janvier, pardon, je suis en retard, moi. Et il nous reste rien dans les frigos, les amis. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas qu'il y a rien, mais c'est que. Comment dire? Il faut se creuser la tête en fait pour imaginer des plats. Donc, moi, je vais improviser hein, comme d'habitude. Donc, là, j'ai mis un petit peu d'huile dans ma cocotte. Je vais y mettre. Un petit morceau de poivron rouge et un petit morceau de poivron vert. Ok? Et là, j'ai un gros oignon, je le mets dedans. On va pas se prendre la tête aujourd'hui, mais vous allez voir, on va faire quelque chose de sympathique. Ok? On mélange rapidement. Ici, j'ai environ 600 g de bœuf haché, hein, d'accord? On va venir donc saler, poivrer. Alors, là, je vais mettre le sel du noir moutier. Ok? On va venir mettre également un petit peu de poivre. Je vais mettre au niveau des épices du ras el hanout. Je vais le mettre maintenant. Alors, on va mettre environ une cuillère à café. Ok. Je vais renforcer avec un petit peu de curcuma pour apporter la belle couleur. Là, on est bien. On fait attention, on reste sur un petit feu moyen, pas trop fort, je vais baisser un peu. Et je vais cuire tout ça gentiment, d'accord? Là les amis, je suis franc avec vous, hein. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Hein. Je prends un petit peu ce que j'ai dans les placards, dans les frigos. Et on va essayer de sortir un truc rapide et sympathique, ok? Alors si vous voyez que c'est sec par exemple, ok? Là on voit que ça commence, enfin c'est un petit peu sec. Là, regardez, je mets une et deux cuillères à soupe de... Alors, c'est de la tomate pelée, mais j'ai récupéré le jus, hein, d'accord? Là, je rajoute un petit peu d'humidité. Alors, je vais monter un petit peu le feu et je reste sur un feu moyen. Et là, je surveille et je ne m'arrête pas de mélanger. Là, le but du jeu, c'est d'égrainer la viande, hein, d'accord? On va cuire ça pendant environ quelques minutes. Alors, le temps que ça cuise, là, c'est bon, je peux aller égoutter les pois chiches. Je récupère ici une boîte de pois chiches. Alors, je vous conseille, moi, de prendre des boîtes de pois chiches en verre, hein, d'accord? Pas en métal. Et je vais la mettre à égoutter. Et je vais la rajouter tout à l'heure là-dedans, ok? Ça sera notre légume, en fait. Allez, on fait revenir ça tranquillement. On se retrouve tout à l'heure. Hey! Salam alaikum! Comment ça va? Waouh! C'est chaud. Bon, vous avez vu? Là, je vais rajouter du basilic. Vous mettez ce que vous voulez, coriandre, persil, ça marche aussi. Hein. Allez, deux bonnes cuillères de basilic. Basilic, tomate, ça fonctionne. Alors après, ceux qui veulent mettre de l'ail, c'est possible l'ail. Hein. Moi, ma famille n'aime pas, donc j'en mets pas. Mais l'ail, c'est super bon dedans. Ok? Alors ça, je le mets de côté pour l'instant. Ici, je viens mélanger. Alors, elle m'a dit, mets pas trop de tomates, ça va être acide. Alors, je vais l'écouter hein, pour une fois. Mais si jamais c'est pas... Enfin, ça sera bon, vous inquiétez pas. Là, j'ai goûté... Les pois chiches donc cuits, hein, ok. Et là dans cette recette elle est quasiment diète les amis, hein, d'accord. Vous mettez un petit peu moins d'huile si vous voulez. Mais la recette elle est diète, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Hein. Alors elle m'a dit de laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai envie de rajouter un petit peu de tomate. Elle m'a dit tu laisses comme ça, on va manger comme ça. Écoutez, moi ça me convient pas. Je vais mettre un petit peu de tomate, pas trop, allez. Je vais en rajouter encore 3, il y en avait 2 au départ. Et là, j'en rajoute 3, ça fait 5, ok? Si je sais encore compter, ça fait 5, ok? Voilà, comme ça, c'est pas trop sec. Là, c'est magnifique, regardez. Un plat comme ça, le soir, c'est délicieux. Alors, je vais laisser juste cuire encore 2-3 minutes. Aïe! Pour que le basilic, il imprègne bien l'ensemble des ingrédients, ok? Et on se retrouve juste après. Bisous, bisous! Waouh! Je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Regardez-moi ça, les amis. Allez, bismillah. Oh là 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 là. C'est parti. C'est dingue. Je vais rajouter juste un petit truc. Pardon, je n'avais plus parlé. On va rajouter du ketchup. On va rien dire à la famille. Allez, 2 cuillères à soupe de ketchup dedans. C'est toujours bon, si vous mettez le ketchup, les amis, vous allez donner envie aux enfants de manger des légumes, d'accord? Ok, faut tricher un petit peu, pardon.
Ah, les avez vus, hein? Il n'y a pas grand-chose dans cette recette, mais elle est magnifique, hein? Elle est dinguissime. Wow! Comment ça va? On va passer à la dégustation là. Oh là 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 là! Regardez-moi ça. C'est magnifique. Allez, bismillah. Ah oui! C'est chaud! Mais qu'est-ce que c'est bon! Waouh! Bon! Allez, on regoûte parce que là, ça vaut le détour. Hein. Allez, bismillah. C'est chaud! Franchement, si vos enfants ne mangent pas de légumes, ils vont adorer la recette. Hein. Je vous kiffe, je vous aime. N'oubliez pas de partager la vidéo, de me laisser des pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez donc la vidéo et activez la petite cloche qui se trouve près du bouton abonné pour recevoir donc toutes les notifications. Je vous aime, je vous kiffe. Bis. Bye bye.